Plusieurs activités socio-culturelles et politiques marquent la célébration du 17 août à Port-Gentil. Il y a des activités, bien sûr, traditionnelles, telles que le défilé civil et militaire, qui aura lieu au niveau du boulevard Léon Bas. En après-midi, il y a la finale de la Coupe de l'Indépendance. Et en soirée, le gouverneur et son épouse auront le plaisir de partager quelques moments de proximité avec leurs administrés autour d'un dîner de gala. Cette année 2024, la fête de l'indépendance coïncide avec le premier anniversaire du coup de libération. Alors que la population craignait une énième crise post-électorale, le CTRI et son leader Brice Clotaire-Oligui-Nguema ont décidé de protéger le peuple. Personne ne savait quelle sera la trajectoire. Fort heureusement, Dieu a posé sa main sur le Gabon et particulièrement sur la province de l'Ouest-Maritime. Mais tout s'est passé vraiment de la façon la plus inattendue. Depuis le 30 août 2023, le général Brice Clotaire-Oligui-Nguema a lancé plusieurs chantiers dans la province. La réhabilitation d'un certain nombre d'infrastructures, lycée d'État de Port-Gentil, mais également et surtout la réhabilitation des voiries urbaines. Et tous ces chantiers ont effectivement pris corps. Et d'ailleurs, M. l'État avait insisté que les différents opérateurs devaient utiliser la main-d'œuvre locale, les jeunes, à réaliser. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Cette célébration de l'ascension du Gabon à la souveraineté internationale le 17 août 1960, ici à Port-Gentil, débute ce 16 août avec la retraite au flambeau. Elle se poursuit le 17 avec le défilé civil et militaire avant la célébration du 30 août.